On est là. Attendez un moment. Vous pourrez descendre tout de suite. Oh, pour descendre un toboggan. Ce bus de la maternelle est trop cool. Youpi. On va aussi avec ce bus à la maison? Oui, le bus nous attendra ici. Et maintenant, nous voulons visiter l'aquarium. Allez, suivez-moi tous. Oui. Je suis tellement excitée de voir les animaux marins. Bienvenue à l'aquarium. La tournée commence ici. Tout est décrit sur ce flyer. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. La première chose que vous voyez ici, ce sont les poissons qui vivent également ici dans le lac. Par exemple, dans le bassin du port. Ah! Et là, il y a tout un groupe de poissons qui arrivent. Et là, il y a un bateau de pêche qui a coulé. C'est quoi ce qui est rouge là-haut? C'est une bouée. Pour continuer à pêcher, en fait. Regardez à travers. Regardez comme ils nagent juste à côté de la surface de l'eau. On pourrait les toucher presque. Je peux voir moi aussi? Bien sûr. C'est super cool. Hey, mon pain! Le poisson m'a piqué mon pain. John, tu sais qu'il est interdit de manger ici. De toute façon, c'est un singe au poisson. Votre nourriture n'est pas la nourriture appropriée pour ces poissons. Ils peuvent tomber malades. Oh, je suis vraiment désolée. Bon, on continue. Venez. Ah, tiens. Nous avons d'autres habitants de la mer. Oh là, il y a un téléphone. Allô? Ah, oui. Il est juste à côté de moi. Je vais le lui dire. C'est le chef de l'aquarium. Il a dit que tu n'as pas le droit de jeter du pain dans l'aquarium, sinon il va t'expulser. Quoi? Il y a personne au téléphone. Là, je peux écouter une histoire d'un kraken. Mince, Lucas, tu m'as fait peur. Ici, vous pouvez voir des étoiles de mer et des crabes. Est-ce qu'on peut les toucher? Oui, mais faites attention. Oh, que c'est joli. Une crevette. Une crevette. Cool, Lucas, regarde. Malte, pose les crevettes tout de suite. Aïe, mince alors, il m'a aussi piqué. Oh, il y a des raies ici. Oui, c'est vrai. Et vous savez ce que c'est? Vous pouvez les prendre dans vos mains. J'en ai aucune idée. Moi aussi, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des œufs de raie. Waouh! Moi, je préfère les poissons des corails, bien colorés. Moi aussi, je les trouve jolis. Oh, regardez, des méduses! Comme elles sont lumineuses! Il y a des méduses très dangereuses, qu'il ne faut pas toucher. Oh, regardez, qu'il est beau l'hippopocampe! Oh, qu'il est mignon! Je l'aime aussi, beaucoup! Alors ici, il y a une activité à faire, notamment un sauvetage de tortues des mers. Oh, ce sont des tortues en plastique? Oui, tout à fait. Nous partons à la station ensemble. Le mieux est de prendre ensemble la tortue. Faites semblant que vous avez trouvé la tortue dans la mer et qu'elle est blessée et qu'il faut l'aider. Alors à la station, il faut donner un nom à votre tortue. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Peut-être Océania? Ouais, ça sonne bien. Je l'écris. Nous, comment est-ce qu'on va l'appeler? Super nageur Shieldy. C'est trop long. Alors Super Shieldy. D'accord. Elle doit s'appeler Rosie. Non, Tortue Ninja. Alors on va l'appeler Monsieur Polly. Bon, d'accord. Et dans cette station, il va falloir les peser. Alors viens, on va peser la nôtre sur la balance. Attention, voilà Super Shieldy qui arrive. Mince, Lucas, on était juste en train de la peser, nous. Tiens-toi derrière. Alors, il y a ici que Océania pèse très peu. Elle doit être nourrie. Et on va le faire à cette station. Que donnez-vous à manger à votre tortue? Tapez la bonne réponse pour la nourrir. Oh, est-ce qu'elle mange des algues? Peut-être, mais peut-être aussi des petites crevettes ou bien. Viens, on va essayer.
cool, on a juste. Bon, vos tortues doivent être examinées, donc vous partez par ici. Vous pouvez découvrir qu'est-ce qu'elle a exactement. Mettez-la tout simplement ici, sous le rayon. Est-ce que c'est un vrai rayon ultraviolet ? Non, non, bien sûr que non. Ce n'est que pour jouer. Bon, moi je vais poser Oceania là. Et je vais appuyer ici. Alors là, il y a votre tortue à la coquille cassée. Oh la pauvre ! Mais comment est-ce qu'on peut la guérir ? Avec une crème ? Ou un bandage ? Ou bien un pansement ? Un bandage ? Et peut-être encore une crème ? Ouais, super ! Notre tortue va beaucoup mieux. On peut la libérer dans le sable maintenant. Très bien, bien joué. Super. Et comment ça se passe avec vous? Super, Shildi a bien mangé, il est devenu très fort, il est super rapide. Et est-ce que vous l'avez aussi passé au rayon ultraviolet? Non, on doit le faire. Oui, vous devez faire toutes les stations, voyons. Oula, Super Shildi s'est cassé le nez. Et il a aussi une blessure sur la coquille. Oula là, pimpon, pimpon. Super Shildi doit absolument partir aux urgences. Mince alors, les garçons, vous faites tellement de bruit. C'est un sujet très sérieux, vous ne comprenez pas? Il y a beaucoup de tortues qui sont blessées dans la mer en réalité. Ouais, regardez, ils restent coincés dans les filets. Et il y en a qui meurent dans les sacs poubelles. En fait, ils confondent les sachets avec les méduses qu'ils adorent manger. Ouais, c'est vraiment terrible. C'est vrai. Nous aussi, on a sauvé Super Shildi. Elle est en bonne santé maintenant, elle peut retourner à la mer. Bon, c'est très bien. Et maintenant, je vais partir chez Monsieur Polly, lui montrer la vraie tortue. Regarde, il y en a une qui arrive. Regardez comme elle est grande, cette tortue. Oula ! Monsieur Polly est tombé dans l'eau. Quoi ? Super Shildi arrive pour le sauver. Je l'ai eu. Oh ! Oh ! Oh non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu m'as poussé. Quoi ces poissons qu'il y a dedans? J'espère qu'il n'y a pas de requins. Et ici, vous pouvez voir de vraies tortues. Regardez voir. Hein? Duca? Malt? Et vous n'êtes pas des tortues de mer, voyons. Sortez d'ici tout de suite. Oh, c'est pas possible, ces deux-là. Si la vidéo vous a plu, alors donnez-nous un coup de pouce. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour être toujours au courant des dernières nouveautés. Et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.